Welcome to a French short story from Ablas. We'll listen to the story with only French subtitles first, and then again with the English translation too. Be sure to download an accompanying PDF from the link in the description. Let's start by reading the story with only French subtitles. Dans un village pittoresque, entouré de collines luxuriantes et d'une rivière scintillante, vivait une femme appelée Émilie. C'était une personne au grand cœur qui cherchait toujours à aider les autres et à rendre le monde meilleur. Émilie travaillait comme horlogère, créant des pièces d'horlogerie exquises qui faisaient la joie des villageois. Un jour, alors qu'elle travaillait sur une horloge particulièrement complexe, Émilie découvrit un compartiment caché dans ses engrenages. Intriguée, elle ouvrit soigneusement le compartiment et y trouva une petite clé en or. La clé était remplie de délicates gravures et émettait une lueur mystérieuse. Alors qu'Émilie tenait la clé, elle sentit une soudaine poussée d'énergie la parcourir. À cet instant, elle réalisa que la clé lui donnait le pouvoir de voyager dans le temps. Avec cette nouvelle capacité, Émilie savait qu'elle pourrait avoir un impact encore plus grand sur le monde. Pour son premier voyage, Émilie décida de remonter le temps jusqu'à un village qui était sur le point d'être frappé par une catastrophe naturelle dévastatrice. Elle souhaitait sauver la vie de ceux qui allaient périr dans cette catastrophe. Grâce à ses pouvoirs de voyageuse temporelle, elle avertit les villageois du danger et les aida à évacuer vers un lieu sûr. Grâce à son intervention, d'innombrables vies furent sauvées et le village put être reconstruit après le désastre. Inspirée par son succès, Émilie entreprit son deuxième voyage, cette fois à une époque où un brillant inventeur était sur le point d'abandonner une invention qui allait changer la vie. Émilie avait toujours admiré la détermination et la créativité de l'inventeur. Elle lui rendit visite et, grâce à ses pouvoirs, lui apporta les encouragements et le soutien dont il avait besoin pour persévérer. Avec l'aide d'Émilie, l'inventeur termina son invention, qui améliora la vie de millions de personnes. Pour son dernier voyage, Émilie choisit de se rendre à une époque où deux royaumes étaient au bord d'une guerre dévastatrice. Elle était déterminée à empêcher le conflit et les souffrances qu'il causerait. Émilie se rendit dans les deux royaumes, grâce à sa connaissance de l'avenir, convainquit les dirigeants d'entamer des négociations pacifiques. Son action permit d'instaurer une paix durable entre les deux royaumes, sauvant d'innombrables vies et favorisant la prospérité dans les deux pays. Une fois ces trois voyages terminés, Émilie revint à son époque, changée à jamais par ses expériences. Elle continua à créer de magnifiques horloges, chacune témoignant du pouvoir du temps et de l'impact qu'une personne peut avoir sur le monde. Au fil des années, Émilie partagea son histoire avec d'autres, les inspirant à croire en leur propre capacité à faire la différence. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. Dans un village pittoresque, entouré de collines luxuriantes et d'une rivière scintillante, vivait une femme appelée Émilie. C'était une personne au grand cœur qui cherchait toujours à aider les autres et à rendre le monde meilleur. Émilie travaillait comme horlogère. Créant des pièces d'horlogerie exquises qui faisaient la joie des villageois. Un jour, alors qu'elle travaillait sur une horloge particulièrement complexe, Émilie découvrit un compartiment caché dans ses engrenages. Intriguée, elle ouvrit soigneusement le compartiment et y trouva une petite clé en or. La clé était remplie de délicates gravures et émettait une lueur mystérieuse. Alors qu'Émilie tenait la clé, elle sentit une soudaine poussée d'énergie la parcourir. À cet instant, elle réalisa que la clé lui donnait le pouvoir de voyager dans le temps. Avec cette nouvelle capacité, Émilie savait qu'elle pourrait avoir un impact encore plus grand sur le monde. Pour son premier voyage, Émilie décida de remonter le temps jusqu'à un village qui était sur le point d'être frappé par une catastrophe naturelle dévastatrice. Elle souhaitait sauver la vie de ceux qui allaient périr dans cette catastrophe. Grâce à ses pouvoirs de voyageuse temporelle, elle avertit les villageois du danger et les aida à évacuer vers un lieu sûr. Grâce à son intervention, d'innombrables vies furent sauvées et le village put être reconstruit après le désastre. Inspirée par son succès, Émilie entreprit son deuxième voyage, cette fois à une époque où un brillant inventeur était sur le point d'abandonner une invention qui allait changer la vie. Émilie avait toujours admiré la détermination et la créativité de l'inventeur. Elle lui rendit visite et, grâce à ses pouvoirs, lui apporta les encouragements et le soutien dont il avait besoin pour persévérer. Avec l'aide d'Émilie, l'inventeur termina son invention qui améliora la vie de millions de personnes. Pour son dernier voyage, Émilie choisit de se rendre à une époque où deux royaumes étaient au bord d'une guerre dévastatrice. Elle était déterminée à empêcher le conflit et les souffrances qu'il causerait. Émilie se rendit dans les deux royaumes, grâce à sa connaissance de l'avenir, convainquit les dirigeants d'entamer des négociations pacifiques. Son action permit d'instaurer une paix durable entre les deux royaumes, sauvant d'innombrables vies et favorisant la prospérité dans les deux pays. Une fois ces trois voyages terminés, Émilie revint à son époque, changée à jamais par ses expériences. Elle continua à créer de magnifiques horloges, Chacune témoignant du pouvoir du temps et de l’impact qu’une personne peut avoir sur le monde. Au fil des années, Émilie partagea son histoire avec d’autres, les inspirant à croire en leur propre capacité à faire la différence. Subscribe for more videos like this and head over to the website for more language learning resources and fun games. Thanks for watching.